L'inquiétude a gagné les autorités américaines. À l'aéroport de San Francisco, tous les passagers en provenance de Wuhan sont examinés. L'examen a été très long. Je suis fatiguée, mais je suis très contente qu'ils fassent ça. Dans cet hôpital chinois, les patients sont isolés et le personnel médical très protégé. Plus de 130 nouveaux cas ont été répertoriés à Wuhan. Et pour la première fois, le virus a été détecté sur plusieurs personnes à Pékin et Shenzhen. Il a même dépassé les frontières. 2 cas signalés en Thaïlande, 1 au Japon et en Corée du Sud. Plusieurs personnes auraient été contaminées dans ce marché aux poissons. Il a depuis été fermé, des opérations de décontamination ont eu lieu. Les scientifiques redoutent que le virus se propage à d'autres pays. Avec le nouvel an chinois qui approche, des dizaines de millions de personnes vont voyager ces prochains jours.